Bonjour Victoria. Allez Thierry. Alors, comme à l'accoutumée, je crois que tu es toujours en bonne santé. Toujours en bonne santé depuis 23 lives. Eh C'est oui. déjà pas mal. Une grosse cadence, un rythme effréné, des rendez-vous très très intéressants et très intenses. Et aujourd'hui, tu avais très envie de nous présenter un personnage haut en couleur, puisqu'effectivement, il est aussi magicien, je crois, hein, mais c'est qu'une de ses facettes. Il a un super titre, c'est le seul qui a osé un titre pareil, donc je vais le dire. Bon, il le dira mieux parce que lui, il a un super anglais. Chief Exuberance and Master Magician, c'est magnifique comme titre. Donc, c'est le CEO de The Magic Pencil. Bonjour Frédéric Karlström. Explique-nous ce titre, cette fonction que tu as, qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre, je pense. Bah, c'est un plaisir un peu de travailler déjà dans un métier super créatif où chaque fois on doit, avec plaisir, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, montrer notre passion, etc. Et avoir un titre passionnel comme Chief of Exuberance permet déjà de montrer un peu la couleur, un petit peu du personnage. On a ça pour tous nos employés, tous nos employés, tous mes wizards, comme je les appelle, tous mes magiciens avec qui travaillent dans l'agence. On est une vingtaine, on a tous des titres rocambolesques. Et c'est vrai que et chacun de nos titres, c'est des titres qui représentent qui nous sommes et avec un peu notre core expertise, notre expertise clé. Excusez-moi du franglais, comme on fait beaucoup les deux langues au quotidien. Donc on travaille comme vous d'ailleurs, Thierry et Victoria, nous aussi, on travaille en franglais un peu partout. Donc nos titres sont effectivement des titres qui révèlent la personnalité de chacun. On a aussi des cartes de visite avec chacun une de mes couleurs préférées qui représente aussi un peu notre état d'esprit. Donc moi, j'ai l'orange qui représente souvent l'inspiration, le soleil, etc. Donc qui va très bien avec mon titre. Et puis Master Magician, bah, je suis le directeur général. Je déteste ce titre, directeur général. Et c'est moi qui m'occupe un petit peu de toutes les problématiques, les challenges qu'on peut avoir à l'agence, nous amener vers des horizons où on n'a jamais été. Et trouver des astuces, des formules, des potions qui permettent de solutionner les challenges du futur. Vous Alors, aussi. on est en train de vivre un énorme challenge pour Oui. le monde entier et puis pour des agences. Alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé dans ton agence. Vous êtes 16 personnes, si je ne me trompe pas. Comment tu as organisé le travail? Comment ça s'est passé avec tes clients? Enfin, voilà, explique-nous un petit peu ce coronavirus, ça signifie quoi? Enfin, disons, le semi-confinement, ça signifie quoi pour The Magic Pencil? Alors, nous, c'est arrivé un petit peu. Alors, on voyait venir, parce qu'on travaille beaucoup à l'international comme en Suisse. C'est en gros 50-50 aujourd'hui par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc, on voyait venir à l'international cette problématique de Chine qui commençait à sortir de la Chine. On s'est dit, ouh, ça va vraiment nous affecter probablement. Moi, je ne voulais pas trop y penser parce que j'avais plein de. Parce qu'on était en croissance depuis le mois de janvier, forte croissance d'ailleurs depuis septembre. Et je devais gérer des ressources, j'étais en train de planifier d'ouvrir une antenne à Londres, etc. Donc j'étais en pleine, et je voulais pas trop y réfléchir, mais j'avais mes collègues qui venaient me voir, et ils me disaient, Fredo, il faut que tu t'anticipes un peu, il faut que tu vois si jamais ça va affecter la Suisse, qu'est-ce qu'on fait si on doit virtualiser l'agence du jour au lendemain. Donc j'ai une équipe qui a mis en place en fait le système, préparé, anticipé, quels étaient les meilleurs outils, etc. Et ensuite, quand on est arrivé au fameux week-end du 16-17 mars, moi, j'ai été à Zermatt avec mon équipe d'entrepreneurs, une association d'entrepreneurs du Québec qui s'appelle Le Groupement, avec qui on partage nos problématiques, nos challenges tous les 6 semaines. Et évidemment, Covid-19 était dans les bouches de chacun et on a pu parler entre nous pour dire ben, maintenant, il faut que dès que lundi, on rentre dimanche, lundi, il faut qu'on virtualise toutes nos sociétés. Et grâce à cet échange, lundi, moi, j'arrive au bureau et j'avais le plan en place. J'avais déjà les technologies que mon équipe avait déjà étudiées. Et on a pu virtualiser l'agence dans la journée. C'était lundi soir. On est tous rentrés chez nous avec notre matos. Et mardi matin, on bossait tous de la maison. Donc, dans ton agence, c'est une agence qui était au départ qui était une agence graphique, après de plus en plus digitale. Aujourd'hui, tu fais, je dirais, aussi du conseil beaucoup pour les marques. Oui. Tes clients, ils en sont où aujourd'hui? Parce qu'ils ont aussi été choqués par ce qui est arrivé. Comment est-ce qu'ils entrevoient la sortie de ça et comment tout ce qui est arrivé va les impacter?
Alors, déjà, dans un premier temps, pour peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que moi, au début, mars, on n'a jamais été aussi busy ce mois de mars, c'était de la folie totale, sachant qu'on avait certains d'entre nous qui avaient beaucoup trop, d'autres qui n'avaient peut-être juste pas assez. Par exemple, moi, j'ai une équipe de vidéoproduction aussi, parce que c'est quelque chose qu'on communique de plus en plus en ligne, en faisant beaucoup de podcasts, beaucoup de productions vidéo. Et donc, on avait une petite équipe qui a pas pu, qui avait en train de finaliser les projets qu'on avait démarrés en janvier-février et qu'on n'a pas pu continuer à faire en mars-avril. Donc, on a pu finaliser des choses. Et puis, certaines personnes ont été un peu moins actives, d'autres beaucoup trop plus actifs. Et ça a permis de compenser les uns comme les autres. Donc, on s'est entraidés et puis on a réussi à livrer ce qu'on devait livrer jusqu'à fin mars. Puis maintenant, on est toujours aussi busy en avril, sachant qu'on a encore des trous quand même. Donc, au niveau des clients, certains clients nous ont demandé de facturer avant pour être sûr de clôturer les budgets, pour pas que ces budgets disparaissent lors du Covid-19. Ça, c'était un point. Deuxième point, certains projets ont été repoussés. Et d'autres, on a eu des nouvelles opportunités qui sont pointées. On a eu des nouveaux clients. Il y en a deux nouveaux clients qui sont arrivés ces 3 dernières semaines de nulle part et on a signé très rapidement parce qu'eux, ils n'avaient pas Et trop le c'est temps ce non type de plus. budget, ces mandats qu'ils te demandent, c'est vraiment quoi? C'est vraiment Des de mandats transformer globaux, leur c'est business? mandats ouais, c'est des mandats stratégiques. Alors, un, c'est sur une marque, lancer une nouvelle marque. Un autre, c'est un brand refresh, c'est un rafraîchissement de marque. Donc, il y a une partie stratégique, un volet stratégique. Ensuite, un volet développer une nouvelle personnalité pour les aider à se différencier. Un des clients souffre terriblement de ce qui se passe parce qu'ils sont enfin, je ne peux pas trop en parler comme ça, mais même si je dis l'industrie, c'est déjà, je révèle déjà le client, mais je ne peux peut-être pas dire l'industrie, mais c'est un client qui souffre énormément, évidemment, de ce qui se passe. Et ils se sont dit, on va développer tous les assets maintenant, que comme ça, que quand on va réouvrir, on sera prêt. Et on sera prêt, plus prêt que tous nos concurrents. Donc, les projets ont continué à avancer. Certains se sont arrêtés, repoussés. Mais puis après, il y a de nouveaux projets qui se sont aussi glissés dans notre portefeuille. Donc, on est super busy. Moi, je pensais qu'avril, on allait être plus calme. On est un peu plus calme, mais on est super busy quand même. Donc, c'est d'autres types de business. C'est d'autres choses. On fait d'autres trucs. On fait moins de design. On sent que tu es très très occupé parce que tu as presque répondu à la question de Victoria. Alors, je la repose. S'il fallait résumer en une phrase, en une sentence, ce qu'est Magic Pencil, ça donnerait quoi? Voilà. Exercice pour un publicitaire. Exercice pour un publicitaire, nous aidons les marques à se différencier sur leur marché, dans leur industrie. Très bien. Et donc, on l'a compris avec plusieurs outils. Est-ce que, avec l'avènement de cette crise, tu as vu un espèce de shift sur les moyens à mettre en œuvre? Alors, oui, c'est une question un petit peu, on enfonce une porte ouverte parce qu'il y a, comme tu l'as dit, la production vidéo qui est méchamment impactée, en tout cas celle qui nécessite des moyens de production, des lieux, des décors, et surtout du monde sur les plateaux de tournage. Mais en marge de ça, est-ce que tu as dû opérer un shift sur certains moyens à mettre en œuvre pour justement continuer à répondre à la demande de tes clients? Alors, il y a deux shifts. Il y en a un, c'est par exemple déjà la manière dont on travaille. On a fait nos premiers workshops ces 2 premières semaines là d'avril en ligne, c'est-à-dire sur Zoom. On fait des workshops de stratégie de marque, customer journey, etc. On a dû adapter notre méthodologie à pouvoir le réaliser en ligne. Ça veut dire qu'on doit préparer le client avant, ils doivent avoir un peu de homework à faire pour eux avant, pour qu'ils y réfléchissent d'abord, et ensuite on arrive au workshop et on arrive à avancer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un point. De l'autre côté, en termes de contenu, moi j'ai mis en place, j'ai aujourd'hui, on fait beaucoup plus de storytelling qu'avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de messages, beaucoup plus de contenu à créer. D'un côté storytelling message et de l'autre côté storytelling en animation. On peut plus faire de shooting vidéo, alors on anime. On fait plein d'animations sur du footing existant. On fait des animations avec la création, je dirais, dessin, technique, infographie, témoignages, key facts, testimonials, etc. Et ça porte. Et les gens en veulent un maximum. Ils en veulent. Aujourd'hui, je viens d'avoir un appel ce matin. Ils produisaient à 400 vidéos par année. Maintenant, on part sur des animations. Ouais, ça c'est clair. Donc, opportunité, tout est une opportunité en fait. Tout problème, il y a une opportunité.
Ça, c'est vrai. Dans la préparation de ce live d'aujourd'hui, tu me disais que dans ta carrière, ben, ce n'était pas la première crise que tu as vécue. La troisième. Voilà, c'est la troisième, mais c'est. Alors, si tu les compares toutes, celle-ci, tu la qualifies comment par rapport aux autres? Ben celle-ci, elle est peut-être plus facile, si j'ose dire, parce que on la maîtrise pas. Elle est non maîtrisable. Donc c'est plus facile. Donc on a tendance à se laisser aller plus que d'essayer de contrôler. Mes précédentes crises, c'était des crises financières, c'était des crises du franc suisse par rapport à l'euro en 2015, c'était la crise de 2009-2010, enfin 2007, ça commence à 2007. Nous, 2008, je me rappelle, 2009, on a eu notre première perte à l'agence depuis 1985, et c'est là où j'ai fait le MBO pour acheter l'agence. J'étais fou à l'idée d'acheter une agence en pleine crise mondiale, mais bon, moi j'avais des rêves, et puis m'en fiche, moi, d'une crise, on se débrouillera. Et puis c'est vrai qu'on s'est débrouillé. C'est vrai que là, j'ai dû changer le business model, j'ai dû revoir la copie. Avant, une agence de graphic design est devenue une agence stratégique. Consulting, c'est là vers où on peut amener beaucoup plus de valeur, on fait plus de concurrence sur les prix, on amène une valeur autre que d'autres ne peuvent pas arriver parce que c'est, on a une méthode propre qu'on a développée sur les années, qu'on appelle d'ailleurs Magicologie, qui est une méthode de création de marque et d'aide à la différenciation de marque sur des marchés complexes. Donc finalement, la crise nous a amené plein d'opportunités. Moi, j'ai, comment dire, j'ai créé une autre agence. Avant, on avait une agence très hiérarchique avec plein de titres. On avait trois niveaux de hiérarchie. Aujourd'hui, on est tous à plat. On est comme une forêt. Et puis, moi, je suis les racines de la forêt. Et puis, mes magiciens à moi, ben, ils se développent comme des arbres au-dessus, quoi. Et c'est eux qui créent la forêt. Moi, je suis en dessous et eux, c'est eux qui se développent, c'est eux qui sont face aux clients. J'ai 8 project managers qui sont tous en plus des créatifs et c'est eux qui représentent l'agence auprès des clients. Moi, je suis juste là pour la relation et puis les budgets et puis quand il y a un problème. Est-ce que Donc, c'est tu vrai penses qu'on a les crises que nous ont aidés à, grâce aux crises, les crises nous ont transformés à qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est grâce aux crises qu'on est qui nous sommes. Et en fait, Covid-19, pour revenir à Covid-19, moi, j'ai libéré l'agence en 2015. On a mis 4 ans pour développer le système, pour que ça marche. Arrive Covid-19, en travaillant de la maison, ben c'était facile, parce qu'on le faisait déjà au bureau. Donc on était déjà en décloisonnement total, donc à la maison, c'était facile. Mais quand tu dis libérer l'agence, tu parles de vraiment ton système, c'est holacratique, donc totalement Oui. rentable. Oui. Est-ce que c'est viable? Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient d'arriver aujourd'hui sur ce modèle-là. C'est pas facile. Alors, c'est peut-être plus simple quand on a moins de 20 personnes, quand on a 2000, c'est peut-être plus compliqué, mais ça responsabilise chaque personne sur un Oui. projet et puis ça Ben, le. c'est ça. Ça responsabilise chaque personne sur chaque projet. C'est eux qui font face quand il y a un problème avec un client. C'est eux qui doivent faire face à ce problème. Donc, ils vont apprendre du problème. Ils vont apprendre à s'en sortir et amener de la valeur. Et c'est grâce à l'équipe aujourd'hui qui nous amène à qui nous sommes aujourd'hui. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis juste le gars en dessous qui je ne suis pas le gars au-dessus. Je suis le gars en dessous. Qui nourrit les racines, qui se tarissent ou qui donne de l'eau où il y en a besoin. Et puis, c'est l'équipe qui fait. Moi, je suis devenu un facilitateur, je suis plus devenu un dirigeant. Mais là, tu es sur un sable mouvant et on voit que toute la société arrive sur ce sable mouvant parce que Ouais. la reprise ne va pas être en V comme prédit, Non, elle va être non. plus, donc elle va être très longue. On va devoir changer aussi des comportements de relations humaines parce qu'on ne pourra pas se parler, enfin, on va quand même Correct, porter des ouais. masques, on va quand même avoir une distanciation. Comment est-ce qu'on peut créer un nouveau storytelling pour les marques qui, par exemple, imagine des marques dans la grande consommation des marques de mode et tout, qui fonctionnent sur des flux très rapides, où il faut que les gens viennent tout le temps en magasin et on achète. Et même par e-commerce, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut recréer et raconter une autre histoire qui rentre dans ces nouvelles valeurs qui sont plus de lenteur, plus de proximité, plus d'authenticité? Est-ce qu'on peut changer toutes les marques? C'est la question. Il y a tellement d'autres choses jusqu'à maintenant. Maintenant, Non, on va devoir raconter je pense tout pas. un. Changer toutes les marques, peut-être pas, mais je veux dire, c'est de nouveau, après, il ne faut pas non plus. Moi, mon expérience me dit, si on fait les choses avec bon sens,
Le parler franc, le parler vrai avec authenticité, avec un certain niveau de vulnérabilité aussi, parce que j'ai découvert aussi que la vulnérabilité est une grande force, parce qu'on s'ouvre, on est honnête, on dit les choses telles qu'elles sont, de manière avec le cœur. Après, les choses sont plus faciles, et je pense qu'aujourd'hui, en communication, on devrait aller vers plus de ce genre de communication honnête, vulnérable, dire, ben, comme certains demandent, oui, mais votre impact sur la société, votre impact sur le climat, oui, je sais, je suis pas idéal, mais je m'y attelle, je fais ce que je peux, j'ai besoin de vous aussi pour y arriver, et puis ensemble, on pourra atteindre une meilleure planète, un meilleur climat, un meilleur écosystème, un meilleur équilibre entre les communautés, plus de respect. Et je pense que c'est la clé. Je pense que le futur va nous dire, va nous donner, va nous amener probablement un peu plus de cette ouverture, cette transparence. On en a vraiment besoin. Et nous tous, chaque individu aujourd'hui a vraiment besoin de cette transparence, de cette honnêteté, en fait. Et l'important, ce n'est pas de dire, ben, le temps d'y arriver. L'objectif, ce n'est pas la destination. La destination, oui, on a des efforts à faire pour améliorer, pour préparer nos enfants aussi à qu'ils aient une planète un peu plus facile pour eux à gérer et qu'ils ne se soient pas que sur leurs épaules. Mais en même temps, alors on ne va peut-être pas y arriver tout de suite, mais le but, c'est d'essayer d'y arriver. Et ensemble, on peut déjà le faire aujourd'hui. Je pense que Covid-19 a été un éveil pour beaucoup d'entre nous, à laquelle on se dit, ouais, mais peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est peut-être quand même pas bon. On courait de l'avant, on espérait que ça allait changer, on se met des objectifs qu'on n'atteint jamais. Peut-être que maintenant il y a un éveil. Moi, j'étais en discussion dernièrement avec un avocat à New Delhi qui est dans le commerce. Il travaille aussi sur Londres. Et maintenant, l'Inde prévoit d'accélérer leur programme d'électrification publique et privée dès le mois de juin-juillet. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 2025 ou 2030. On y va tout de suite parce que pour la première fois, ils voient le ciel, ils respirent à Delhi. Donc, grâce au Covid, on réalise tout ce qu'on n'a jamais eu, en fait, tout ce qu'on n'a plus eu. On a grandi avec, mais on l'a perdu avec le temps, progressivement, sans s'en rendre compte. Et je pense qu'il y a une conscience qui nous a éveillés dans notre bon sens pour faire les choses dès aujourd'hui. Et c'est ce qui va changer. Est-ce que ce réveil de conscience va concerner tout type de client ou est-ce que tu as un petit feeling à partager avec nous pour nous dire, ah là, peut-être dans ce domaine-là, ce type d'annonceur, ce type de client, lui, ça va pas le faire ou il va jamais oser aller ju jusque-là. Je pose la question forcément à un patron d'agence qui ose parler d'exubérance. Est-ce que cette exubérance, est-ce que cette ouverture d'esprit va être communicative à tout type de client? Alors, Thierry, merci pour ta question, parce que c'est une question mi-figue, mi-raisin, parce que je pense que, soyons réalistes, des sociétés. Moi, je disais à Victoria hier, je pense qu'on n'a pas encore assez souffert du Covid-19 pour que ça change partout. Certaines sociétés ont pris conscience, pas tout le monde, certains gouvernements ont pris conscience. On sait que certains gouvernements, sans les nommer, on n'en a rien à cirer de ce qui se passe. Et pense que court terme, toujours le fric, le bien-être court terme, etc. Donc je pense qu'on n'a pas assez souffert pour que tout le monde change. Je pense que cet éveil de conscience a lieu auprès de pas mal de gens, beaucoup plus qu'avant. Maintenant, combien, quoi, comment, il faudra qu'on voit dans 2, 3 mois, septembre, janvier. Et puis si la crise dure, comme Singapour maintenant, ils ont commencé à réavoir quelques réactivations de Covid-19, donc ils referment de nouveau le truc. Nous, la U, ça sera peut-être pas, ça sera une U en temps de scie, on aura un U et puis un N, et puis un U et puis un N. Donc ça va repartir dans tous les sens de nouveau. On a, je pense, quelques scies, quelques vagues qui vont arriver. Si ça continue encore pendant 9 mois, 1 an, et que la peine commence vraiment à nous peser, changement possible, il y aura partout. Mais si ça va durer qu'encore que 3, 4 mois, je pense certaines industries reviendront à ce qu'ils ont été avant. Est-ce qu'il y a une crainte dans une situation où les marques sont aussi ont des problèmes économiques qu'elles fassent tout par elles-mêmes? On dit toujours qu'au moment des crises, on communique moins et que finalement, elles décident que ben il y a peut-être quand même un graphiste dans l'entreprise, il peut faire le boulot, la stratégie, on peut la faire aussi à l'interne et qu'on se dise que finalement, les agences, c'est un luxe qu'on peut plus s'offrir. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que
dans tous les cycles, dans tous les cycles ces 100 dernières années, enfin depuis Mad Men, si j'ose dire, donc ça fait peut-être mais depuis 50, 60 ans, je veux dire, on a eu quand même pas mal de crises depuis. J'y crois pas, non. Il y a toujours eu de toute façon centralisation, décentralisation. Je me rappelle quand je suis arrivé en Suisse il y a 22 ans, on arrivait à facturer, une agence arrivait à facturer un rapport annuel pour 400 à 500 000 francs de l'époque. Ouais, je me rappelle. Wow. Et puis le client disait, après la deuxième année, disait ben, on va recruter 2-3 personnes pour ce prix-là, puis on le fera en interne. Puis au bout de 3 ans, 4 ans, ils voyaient qu'ils perdaient en essence et en créativité, ils ont dû réexternaliser. Les prix entre deux ont changé. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a de nouveau ces centralisations et décentralisations, externalisation, internalisation, il y aura toujours ça, ça ne changera rien. Je pense que si de nouveau, on a besoin d'expertise, de qualité, il y aura encore plus de l'opportunité pour les agences. Moi, je vois aujourd'hui au sein des clients, il y a des licenciements qui se font, certains sont mis en chômage technique. Bon, les US souffrent particulièrement, les Anglais un peu moins, mais tout au plus. En Suisse, on est encore relativement protégé grâce à notre super gouvernement qui nous met des choses en place extraordinaires. Moi, j'ai envie de devenir Suisse depuis, parce que c'est vrai que c'est un moment que j'ai envie de devenir Suisse, mais je me dis, mais quoi, waouh, moi je bosse dur, mais alors le gouvernement, quand the shit hits the fan, et j'adore cette expression, quand the shit hits the fan, c'est vrai que la Suisse est là pour nous aider, et ça c'est fantastique, je veux dire, c'est unique dans le monde. Mais c'est pour ça que j'étais très contente aussi de t'inviter dans ces lives, parce que je pense que tu es le seul qui est heureux d'avoir pu emprunter de l'argent à l'État pour mener ton entreprise, parce que pour toi, être endetté, ce n'est pas un problème. C'est non, simple. Pas du tout. Alors que pour beaucoup d'agences entrepreneurs suisses, le fait d'être endetté pour la première fois, c'est quelque chose de juste impossible et ils le vivent très très mal. Et toi, tu me disais que maintenant, tu dors parfaitement bien. Je dors toutes mes nuits depuis le 18 mars. Je n'ai jamais aussi bien dormi. Je dors 8 à 9 heures par nuit. Le week-end, je fais même des siestes. Et je ne pense jamais boulot. Je ne stresse pas du boulot. C'est incroyable. Grâce au Covid-19, je dors toutes mes nuits. Est-ce que cette crise a amené du confort dans le travail? On parle très souvent avec nos invités de télétravail, d'aménagement de travail à distance. Oui. On voit que tout compte fait, un meeting client au travers d'un Skype, d'un Zoom, bah, c'est pas si mal et puis ça nous fait gagner du temps. Et puis on peut garder ce côté authentique pour autant que, à l'inverse de moi, on voit la chambre à coucher derrière. Eh bien, est-ce que cette crise amène un meilleur travail, une meilleure façon de travailler d'après toi? Alors, oui et non. De nouveau, les excès, c'est toujours pas bon. Donc, moi, ce que j'ai appris de cette situation, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler au bureau, en agence, en externe. Il faut juste qu'on puisse, on est des humains, on est des mammifères, je ne sais même pas si on est des mammifères, si on est des mammifères, on est des mammifères sociaux, on a besoin de se voir physiquement. Donc ça, on ne pourra pas le remplacer. On ne peut pas être marié et puis se voir qu'en virtuel, ce n'est pas possible. Donc, on pourrait, mais ce n'est pas top. Donc de nouveau, c'est d'utiliser. Alors moi, ce que nous avons appris dans nos, ça fait maintenant pratiquement 6 semaines qu'on est en télétravail, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que on travaille de manière plus concentrée, plus calme, parce qu'on est à la maison, on peut se boire un café dehors. Si aussi quelqu'un a un balcon, on peut aller se balader, on peut revenir. C'est plus relax. Le temps devient plus élastique. On travaille à toute heure. Mais on se repose à toute heure aussi. Donc, c'est un équilibre plus général. Tout est mélangé. Ce n'est pas 9 to 5, c'est 24 on 24. Et puis, si on se réveille tôt le matin, on bosse 3 heures. Et après, peut-être on prend une pause de 2 heures entre 11 heures et 1 heure. C'est égal. Je veux dire, ça, c'est pas, tout est ouvert. Donc, ça, il y a cette flexibilité et cette flexibilité-là et le bien-être. Donc, on travaille mieux à la maison quand il faut travailler de manière concentrée. Maintenant, les échanges deviennent plus compliqués en télétravail. Et il y a des pertes d'informations, il y a moins de communication, parce qu'on ne communique que sur le son et le visuel. On ne communique pas sur l'aspect physique, sur le contact, l'odorat, le ressenti, etc. Donc, les sens sont coupés. Et il faut pouvoir utiliser les autres sens aussi en communication interpersonnelle et pouvoir justement combler les lacunes qu'on n'a pas à la maison. Donc, il faut les deux. Et moi, ce que je dis à l'équipe aujourd'hui, moi, j'ai demandé à mon équipe, au niveau volontaire, de revenir travailler dès lundi prochain, mais volontaire, et j'aimerais garder une partie travailler à la maison, en télétravail, et une partie, on va le faire à l'agence. Donc, on va trouver un nouveau moyen de travailler ensemble, tout en composant la maison et le bureau.
Donc, on va même au-delà de l'acratie, quoi. Ça, on C'est peut ça. carrément imaginer un nouveau modèle C'est ça. de travail. Parce qu'on Oui. sent que beaucoup de gens, au début, ça a été imposé vu qu'il a fallu changer de système, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie des gens qui ont découvert qu'on peut vivre autrement, Oui. travailler autrement, et Oui. que ce n'est pas que négatif. Et je pense que Non? beaucoup de gens ont vécu Non, en non, non, il y a du, famille. il y a vraiment des, il y a des très gros avantages. Comme il y a des inconvénients, mais comme il y a des inconvénients, travailler en open space, on est sans arrêt dérangé, on n'avance pas. Donc, il faut combiner les deux. Il y a le meilleur des deux pour créer un nouveau monde qui pourrait être un monde encore meilleur de celui qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu par le passé. Oui, alors ça repose la question de dans quel modèle est-ce qu'on veut vivre? Et c'est là où on voit bien toute l'économie repose sur un système où d'échanges directs et puis souvent d'entreprises qui vivent avec des flux tendus, ce qui fait qu'on a bien vu dès qu'il y a un grain dans la machine, ça s'enraye de manière hallucinante. Donc est-ce qu'on va pouvoir imaginer produire différemment? On a eu un invité l'autre jour qui nous parlait de production micro-locale, c'est-à-dire avec des imprimantes 3D, où finalement on n'achèterait Ouais. plus des biens, on achèterait des licences de modélisation pour qu'on puisse soi-même produire des biens. Et donc, on aurait moins de transport, moins de. Enfin, je veux dire, on changerait énormément tous les échanges, quoi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait imaginer aussi, valoriser aussi la production différente. Ben, je pense qu'il y aura ça. Il y aura aussi de façon automatiquement un plus grand protectionnisme de toute manière de production locale. On ne veut plus dépendre de pays qui nous bloquent dans notre développement. On ne veut plus dépendre. Oui, prix, mais ce n'est pas que le prix aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une crise comme ça, ben, tout d'un coup, le prix, ben, ça ne vaut plus la peine. Donc, autant peut-être acheter un peu plus cher et puis de continuer à voguer. Donc, je pense qu'il y aura pas un plus grand nationalisme, mais il y aura plus une pensée à produire local. D'alternatives locales ou plus proches avec d'autres alternatives qui vont se créer. Je pense qu'on aura un travail aussi beaucoup plus. Parce que c'est vrai que le travail que l'on a aujourd'hui est hérité de nos parents et de nos grands-parents après la Deuxième Guerre mondiale, où on a commencé à monter des systèmes, ou même la Première, on a commencé à monter des systèmes de faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille à un lieu de travail. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. On le voit avec cette opportunité de Covid-19 qu'on peut travailler partout. Nous, on n'a jamais eu de problème de réseau, on n'a jamais eu de problème de quoi que ce soit. On se voit sur Zoom à 10 h tous les matins, une demi-heure. On fait le tour de table de chacun d'entre nous. C'est génial. Et on s'amuse. Cet après-midi à 17 h, on a un cocktail, apéro, toute l'équipe à 17 h. Ça va être génial. On va s'amuser un coup, pas que faire boulot. Donc, on fait d'autres trucs. Et c'est vrai qu'on s'amuse, on fait les guignols et on travaille. Et les gens travaillent à toute heure. Selon de Pense. comment l'envie, voilà. Et on n'est plus dérangé par ça. C'est plus un problème de travailler à toute heure. Avant, on travaillait peut-être 12 heures à la maison, 12 heures au travail, on était crevé, on rentrait crevé à la maison. Maintenant, on travaille peut-être 12 heures, mais mieux et bien, et on est heureux. Tu faisais mention à Mad Men, et c'est vrai, quand on voit comment il travaillait avec ses poules de secrétaires. Ah. On n'en a plus les secrétaires, on n'a plus de secrétaires déjà, ça c'est des grands changements déjà. C'était avant, ça, Ouais. c'était avant. Ouais. On arrive Homme à ou femme tenir. secrétaire. Ouais, Ouais. écoute, c'est magnifique. Donc, quel message tu veux nous donner? Parce que toi, tu es un gros optimiste. J'aime bien parler avec toi. Ben, On n'a moi, pas le moral, les Fred. Vas-y. Non, moi, ce que j'aimerais dire, et c'est ce qu'on a toujours tendance un petit peu à, dès qu'on a une crise qui arrive, un problème, un challenge, c'est une opportunité en fait. Et je l'ai découvert avec la vie, avec les trois crises que j'ai eues en 11 ans depuis 2009. C'est mon troisième. Et à chaque fois, il y a une opportunité. Mais on ne la voit pas parce qu'on voit que le problème arriver, on a peur de perdre ce qu'on a construit. Et en fait, bon, on est quand même en Suisse, je veux dire, on est quand même. Moi, je disais à Victoria hier on vit dans un. Pour moi, la Suisse, c'est La La Land. Ce n'est pas un pays réel. On est dans un film qui n'existe pas. Je veux dire, c'est tellement irréel. C'est tellement. Donc, quelque part, on ne sera jamais mis à la rue, même si je sais qu'il y a beaucoup de pauvres en Suisse. J'ai mon frère qui travaille chez Caritas, et puis il y a pas mal de pauvres, un cinquième de la population suisse est pauvre, je le sais. Mais ça reste quand même, on est quand même bien loti ici, et puis il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il y a un état d'esprit. Donc, pardon, key takeaway, un challenge, il y a toujours le côté d'une opportunité. Moi, j'étais en Inde l'année passée, et j'ai appris qu'il y a. Y a, y a
A coin has always two sides, le positif et le négatif. Le problème, c'est quand on est le positif, on ne veut pas surtout perdre le positif et on ne pense jamais qu'on peut se casser la jambe juste en sortant de la voiture, en glissant sur un poupou de chien, d'accord? Donc, c'est vite arrivé, mais on n'y pense jamais. Puis quand on est dans la merde, on pense jamais au positif parce qu'on est dans la merde. Donc on a tendance, nous humains, à toujours voir le négatif et jamais voir le positif. Mais le positif est là tout le temps, en parallèle de toutes nos vies. Et à chaque problème, il y a une opportunité, comme à chaque opportunité, il peut y avoir un problème. Donc profitons quand ça va bien, parce qu'on peut tomber dans la mouise. Et puis quand on est dans la mouise, ça peut que devenir mieux, parce que de l'autre côté, il y a toujours une opportunité. Donc finalement, la vie, on peut la voir que du positif. Et arrêter de se stresser, et puis vivre, respirer et être heureux. Mais c'est exactement le message qu'on voulait avoir. Je te remercie, voilà. C'est trop bon. Et c'est vrai que bon, ça va être dur, mais bon, voilà. Mais ça va être dur, oui, mais bon. Il ne faut pas perdre l'espoir. Voilà. Ça sera le mot de la fin pour quelqu'un qui nous remonte le moral. Et cette fois-ci, sans chemise à fleurs, on a l'image qui le prouve, hein, que effectivement, normalement, tu es habillé comme ça. Merci beaucoup, beaucoup pour cet échange très, très positif, très fructueux. On se réjouit de voir la suite de l'agence Magic Pencil. Merci à toi. Vous avez le droit, pour celles et ceux qui ont loupé, qui sont venus en cours de route, qui ont manqué le début, de revoir tout ça en replay, de réécouter en podcast, d'aller tout voir, tout ça sur cominmag.ch. Et puis, on va se dire, Victoria, ben, comme à l'accoutumée, on se voit, je crois, demain, 15h. C'est ça? Exact. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Portez-vous bien.